Bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouveau live sur Minecraft. Bon, j'ai progressé un peu en arrière-plan parce que je trouvais pas la forteresse. Comme la dernière fois, j'ai glissé dans le Nether, pas à peu près. J'ai recommencé une map. Donc, ça c'est particulier. Donc, en revenant, je vais changer la fenêtre. Pour tourner. Oups. Que j'ai finalement fait mon nouveau skin. Hein, directement. Celui qui correspond à la chaîne. Donc, je sais pas si vous voulez le remettre. Donc, ce sera peut-être pour la prochaine vidéo. Le prochain live. Hein, pas prochaine vidéo. Pour le prochain live, je vais voir si vous l'aimez bien. Donc, les personnes qui regardent sûrement la rediffusion. Sur ma chaîne YouTube, pourrait peut-être laisser un commentaire pour savoir si vous voulez que je change de skin. Et compris que c'est pas du tout le même skin que j'utilise sur Java que sur Bedrock. Donc j'utilise le skin de ma chaîne. Laissez un commentaire si vous voulez ou pas. Pas que sympa, hein. Compris que c'est pas mal de skins que j'ajoute, que j'ai fait moi-même. Hein, donc. Puis il y a une autre chose, je vais chercher sur mon navigateur. Voilà, on va aller sur directement se faire chier sur la chaîne YouTube. Et là, je remarque quand même une bonne avancée dernièrement. Bon, ça a sûrement à cause d'une vidéo. Quand même sa dernière vidéo comment jouer à des jeux DOS sur Windows. Bon, le seul problème c'est que c'est moins paramétrable que le deuxième Tomb Raider. Là, je le lancer directement. Là, je suis pogné avec la plus petite résolution. Jouer sa plus petite résolution. Je peux pas jouer plus haut. Peut-être si. Par exemple, je jouerais sur un autre jeu. Je joue peut-être sur une autre plateforme comme sur la version Steam de Tomb Raider 1. À son Steam. Ok, j'ai bien compris. Bon, l'autre, c'est celui qui a cartonné littéralement. Comment je peux cartonner autant pour une vidéo qui. Il dit qu'il y a un tuto comment utiliser Windows XP. En plus, la miniature, je m'ai quand même forcé un peu à faire style un peu, mais. Il voulait une fenêtre comme vidéo. Mais bon, on repense à d'autres choses. Pareil, 775 vues en 10 jours. Là, je peux dire que la vidéo il a cartonné. Hein. Pourtant, c'est juste comme je fais d'habitude. Bon, de toute façon, le Windows XP s'est tapé le million de vues. Donc, on va vraiment dire que c'est absolument un bordel. De toute façon, avec le dernier live de Minecraft où je m'amusais à me faire défoncer la gueule aux ghasts. Ils sont toxiques, les ghasts. Ils entendent gueuler tout le temps. Puis là, mais pas, il t'aime pas avec ses boules de feu. Génial. Donc, on va prendre un peu ça, le skin. Juste l'appliquer pour le voir. Donc, il ressemble à ça. Je l'ai pris de ma chaîne, hein, le skin. Donc, il n'y a juste pas le casque. Bon. Vu la forme du casque, je pouvais même pas l'appliquer correctement sur le skin. Donc, c'est mort. Donc, c'est pas mal bon, tout est fait. On peut se retourner sur le stream directement. Le jeu, parfait. Et on va commencer notre survie. Bon. Il reste encore épisode. Il reste encore deux lives que je fais sur le. Minecraft après change de jeu. En fait, j'ai plein de jeux sur CD, donc je pourrais me
peut-être me tweeter quelque chose. Comme un Battlefront 2 sur 2005 qui est un excellent jeu. J'ai joué sur la Xbox, mais mes deux Xbox sont mortes. Les deux Xbox ont des problèmes, puis je peux même pas les réparer. On va dire que j'ai pas de pièces de rechange. Entre-temps, bah ça existait pas. Bah, il y avait un Enchanting Book. Et me taper 4000 blocs pour aller aux forteresses du Nether. Donc, bon, bien évidemment, j'ai skippé ce bout-là. Totalement, on va dire, chiant. J'ai fait du 18 Blaze Road. Donc, pour les Blaze Road, je vais être correct. Je pense que j'aurais peut-être récupéré un peu plus de diamants. Si j'ai une pioche en diam, peut-être pogner les meilleures armures que des. Que l'armure en or que j'ai qui se pète en 2 secondes puis que c'est pas solide. Je sais que pour les villageois. De façon, si j'arrive pas à mes objectifs dans le live, bah tant pis, je vais passer à d'autres choses. Ouais, tu me vends un émeraude pour 4 bits. C'est là qu'il me demande des poches d'armes. Parce que. Pas de pieuvre. Il y a des pieuvres qui spawnent. Là, j'ai un Fletcher. C'est génial. Je vais tout de suite m'acheter du stock avec. Voilà, je suis bien. Tu passes à d'autres choses? Non, je crois qu'il est encore. Oh, j'aimerais que me rendre au prochain d'émeraude. Peut-être aller bûcher du bois, ça me fera des bâtons, puis je pourrais les vendre super facile. Ça coûte 32 bâtons. C'est quelle affaire qui est terrible en réalité? C'est celui-là, je vais me faire une pioche en particulier. Puis j'ai pas ce qu'il faut. Ah, mais changer. Protection 4. Le problème, il faudrait que je recheck une vidéo pour les. Voyons les styles pour le toucher de soi pour voir que ça donne. Je vais même buter une coupe d'Enderman en passant. Y a pas de terre. S'il y a 10 de terre, c'est parfait. 10 de terre. C'est assez pour agresser des Enderman. Malgré que les arbres font exactement la bonne taille pour ça. Ah, mais les Endermans spawneront pas. J'ai oublié, les Endermans spawneront pas. Parce qu'il n'y a pas de. Là, j'ai ma petite cultivage de Netherwart qu'on trouve seulement dans les forteresses. Forteresse, qu'il y en a une tonne. Il n'y en a pas des tonnes nécessairement, j'ai trouvé, j'ai eu le temps de trouver deux bastions avant de trouver une forteresse. Donc, c'est ordinaire. J'espère que j'ai remis 1000 niveaux à normal, je crois que je l'ai ouais, remis à normal. J'ai dû le mettre à peaceful, puis après me le pogner en créatif juste pour trouver la forteresse parce que j'en pouvais plus d'aller chercher dans le désert, dans le. Est tombé. Je n'avais vu qu'il avait tombé. Je crois
fois que les verrues du Nether. No. No. I am on Bedrock Edition Minecraft. Have Bedrock and Java. Oh, good. Oh, good. No, this map I play solo in survival mode. Maybe another map you can after some time. On va peut-être me noter mon anglais. Ah, les patterns. Est-ce que c'est moi, c'est mieux fait maintenant? On se. Bagna, c'est une fonction, mais c'est à quel point qu'en survie ça sert à rien. Le faire. Ah oui, je le chassais de l'Enderman. Parce que évidemment, c'est l'Enderman que je cherche. Le seul problème, c'est que j'ai ajusté mon portail ici, mais il m'a envoyé son 3. Il faut que j'aille ailleurs. Voilà, ailleurs, je crois que pas trop tard, au pire. J'ai pas vu, revu le clairing. Je vais faire demi-tour encore. Embrouiller Enderman. Je crois que j'ai. Ah, il m'a juste un épée. Oh, peut-être je me crave d'autres épées. Parce que maintenant que les paupières, ben, je vais pas récolter grand truc normal dedans. Ah, mais si je les achète au cléric. Oui. Ça va me faire sauter une étape. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu vends des enderpearls. 5$ l'enderpearl. Ça coûte cher. Littéralement. Même les verrues de Nether, ça m'en prend beaucoup. En plus, j'ai pas un énorme champ. Oh, parce que. Est-ce que j'ai vraiment précisé que mon français. Moi, j'ai précisé dans les tags que c'était français. Mais. Bon. Je suis pas vraiment familier avec l'anglais, donc parler comme ça. Non, en fait, moi, le problème avec l'anglais, c'est j'écoute quelqu'un en anglais. À part si vraiment tant que son parler est pas complexe, je passe correct. S'il parle il parle avec un accent complexe. Là, ça marche plus. Ça marche plus, je suis comme. Hein? Mais quand je parle, oui, plutôt bien. Car moi, je parle. Puis à l'écrit, peu importe, je vais comprendre. Donc, ça aussi, il écrit vraiment mal. Donc, encore des. Excuse-moi, j'ai plus d'émeraude. J'étais blindé un max et j'ai plus d'émeraude. Quoi? C'est beau m'acheter des Enderman.
Les Anorpens m'en faut. Si j'en ai pas, ben je me plains. J'ai intérêt à vendre du papier puis du stock. Attends, j'ai un tas de blé. Ah, j'ai encore un tas de blé. Je sais pas. Non, c'est du charbon. Ah, mais pas grave, du charbon. Je vais le vendre au pêcheur. À Monsieur Fisher, comme je le connais. Il quitte jamais de son trou. Oh non, ça veut dire que j'ai deux pêcheurs. J'en ai deux. Ça veut dire qu'un s'était passé. Hey, j'ai assez pour m'acheter deux enderperles. Coûte cher, ça m'a coûté deux stacks de charbon. Ouais. Ça, c'est un truc. Y a pas un butcher, j'ai plein de viande. J'ai plein de viande qui traîne. Ça sert à rien. Coûte combien ton feu de camp? Ça paye pas, hein? Oh, je pêche du poisson. Je vais m'amuser à pêcher du poisson. Sérieusement, si peut-être c'est trop chiant de trouver un. Ah, ben j'ai des bâtons. Vendu. Après, je vais cultiver les carottes. Ah, peut-être les papiers. J'ai pas de papier sur moi. Hey, des bâtons. Oh, je peux m'acheter une autre enderpearl. Je vais vraiment jouer serré ces enderpearls. Tu peux me vendre un bookshelf, mais tu le vends 9 piastres ton bookshelf. C'est trop cher. Je préfère mieux tuer des poules pas à la place. Sauf s'ils vendent des yeux d'ender. Oh, il y avait pas un truc avec les sea pickles. Ah. En plus, il m'augmente le prix après. Blaze Road, Blaze Road, Blaze Road. Juste dans l'arrière 5. Les yeux d'Ender.
Attends. Tu sais que je peux faire des N cristal. Avec une lampe de gaz de la ville, je peux faire un N cristal. Ok, maintenant ça se craft. C'est le genre de truc qui est pas supposé être craftable, mais bon, ça a l'air que c'est craftable. Mais on s'en fout pareil. Là, faut que je trouve. Je vais faire la chasse aux Enderman, mais bon. Finalement, je crois que ça serait plus facile de faire la chasse aux Enderman qu'attendre d'avoir l'argent pour éclairer. Pour que t'achètes pour 5 émeraudes. C'est cher. Oh là. Un que surpoussé. Reste 5. Ou c'est parce qu'il peut pas se poser sur le sable. Ce serait bizarre. Ah ben là, ça prend du gazon. C'est mal foutu. Bon, j'ai 10 blocs de terre, mais. On dirait que ça. Pas des tonnes de la terre. Ça se renouvelle pas de la terre. Je peux pas faire comme dans des chingleries. Je fais un clic droit sur un bloc de terre, puis ça me donne un stack de terre. Il en reste combien? 6. Mais je crois qu'il y a des citrouilles qui ont poussé sur le sable, hein, pareil. Je vais aller regarder l'œil dessus. Ça là c'est pas la meilleure technique. Façon. J'espère qu'il est pas à 5000 blocs, hein, sérieusement. C'est sûr que je vais me piquer un lit. Ouais, je vais essayer de quitter les forêts parce que les forêts c'est assez. Il va atterrir sur un arbre puis. Pareil. Bon, je vais aller un peu plus par là. Ça a l'air toujours pointé à la même direction.
si ton œil d'Ender explose parce que t'es à la bonne place. Oh. On va encore aller par là. Ah, si je trouve le Stronghold, ben je vais vraiment faire un vrai. Je vais épier la bibliothèque en premier. Sérieusement, ça me tente même pas de me casser les fesses puis aller juste aller chercher. Oh. Oh la merde. Ça, c'est des bons signes. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas les gros piglins à ce niveau-là. C'est à peu près à 30, mais je sais plus. 30, c'est les anciennes versions. Le problème, c'est que dans l'eau. Oh, j'ai prévu une autre pioche. Non? Ah. Oh, ben, je vais bûcher du bois un peu. Là, sérieusement, je crois que vous verrez rien. Parce que j'ai pas de torche. Normalement, je joue pas en ray tracing. Je joue en ray tracing. J'aurais aucune. Là, ça serait noir. Là, ça serait noir totalement. Tu fous un shaders, tu vois que t'es, quand t'es dans une grotte pas de lumière, tu vois rien. Là, c'est peut-être le fait que j'ai mis de la luminosité quand même assez forte. Mais à fond de la luminosité. Et j'ai plus de pioche.
Sérieusement, si je prenais l'option d'aller creuser direct, ce serait peut-être moins chiant. Ah non! Ça dit que j'ai creusé pour rien. On peut aller vite dans l'eau maintenant. Oui, mon spot, hein. Facile à trouver, hein. C'est exactement. Ouais, c'est cette maison-là où, quand j'ai fait le portail, j'ai fait des sauts de lave puis j'ai percé le toit. Littéralement. J'ai cramé le toit. Attends, ça veut dire qu'il est ici? Sérieusement, faut vraiment quelqu'un qui leur fait une autre fois. Non, ouais, par là. Consommer Thunderpearl pour rien. Comme juste c'est trop chiant, je vais faire un slash locate. Parce que le but c'est je progresse et non je me fais chier, c'est de trouver les places. Franchir 4000 blocs pour vraiment arriver. Et puis si j'ai plus d'enderpearl, c'est fini. Puis j'aimerais faire d'autres choses que. De moi. Peut-être il est dans ce coin-ci finalement. Ouais. Non, sérieusement, je me casse pas le cul à essayer de trouver l'endroit. Je progresser comme je progresse. Je vais encore me taper des heures de trouvailles pour un truc. Sur ça, j'ai une copie. Ça commence vraiment à me coûter cher. Tandis que le portail où j'étais checké. Ah, c'était mon. Par là. Structure. Il a supprimé mon. Bon. Ah ouais, c'est une blague. Je retourne à cause des ports. Ah oh, putain, ça va être plus rapide par le portail. Que moins de distance.
On parle le boss par là. Ah, c'est bizarre des fois génération. On tourne sur Bedrock. Il est rendu où mon portail là? Oh, je l'ai. Ah non, je l'ai gardé là. J'ai fait un autre portail, je l'ai reset. Ça, j'ai reset le portail, puis il me l'a mis un endroit comme ça. Je sais pas trop où c'est là. Ah, ok, oui, non, c'est. Il m'a mis le portail là. Je suis comme. Il me dit que c'était une île volante. C'est ailleurs. Moi, je. La génération. Je n'attendrai pas qu'ils mettent le portail à cet endroit-là. Bon, je vais m'économiser un maximum de temps. Je vais refaire la commande à partir de mon point. Ici. On va le loger ici. Et t'as. J'essaie de le lire. Hein. Tu sais que ça 2000 par 2000. Sérieusement, je me fatigue. Hein. Là, j'étais bien content des versions PlayStation 3 et les versions de console avant que ça soit Bedrock parce que à 2000 blocs, tu te fatigues. Moins 19,34, moins 19,66. Oh, je me charge pour 4000 blocs. Mais là, tu vois, si je faisais la file, puis gaspiller une dizaine, vingtaine d'enderpearl, juste à cause de la distance. Franchement. Surtout s'ils décident que, ah, ok, oui, non, mais c'est beau, mais non, que c'est pas vrai. Non. Non. En plus, tu l'as perdu ton œil d'Ender. Ça sert à rien maintenant quand, après qu'il s'est consommé au complet, puis que là, il t'en a plus. Je vais m'ouvrir un bloc-notes. Ouais. Bon, c'est noté. Au moins pour une bonne chance, il y a un village. Oh, il est pas à côté. Hein. Voilà, ça, c'est le village le plus proche. S'il y en a une dans la savane sur la montagne. Et. Oh, 34. Ah, là, il y a un village beaucoup plus proche. Moins 19,66. Bon.
Oh. Ou la bibliothèque. En fait, ma survie de base, c'était pour... Ah, ça, c'est Félix. C'est une des places les plus difficiles à trouver, puis tout ce qu'il te donne, c'est ce genre de truc-là. Un petit casque en fer de pomme. Puis aussi, je rajoute aussi, j'ai intérêt à avoir des torches rendues là parce que... parce que je vais avoir une belle surprise. Je modifie le truc. Ça c'est quoi ça? 43, 60. On devrait être correct. Putain, tu prends du village là en premier. Hein? Il y a un fisherman, il y a un blacksmith. Avant, je juste vérifier si c'est vraiment un portail. D'un coup, on n'est pas chanceux. Puis... bon, je vais mettre la lumière un peu. On m'a rendu grosse les chauves-souris. Y a rien là. Y a rien là. Souvent, ça tourne en rond. Ça donne quoi? Ah ben voilà, ça c'est beaucoup plus intéressant. En plus, les villageois savent même pas qu'il y a de l'émeraude qui traîne à côté. Ah, la meilleure place du jeu. Tu sais, genre, je me battais pour les bibliothèques, pour les enchanting tables, ben là, je disais direct. Mais quand même 2000 blocs. 150 peut-être, 2000. Qu'est-ce qui se passe à d'autres? Est-ce qu'il est en train de mettre le feu à... Oups, j'ai pété à... De toute façon, ça m'a pas créatif. C'est pas l'endroit que je cherche. Ah, le feu s'éteint en plus. Ben, je vais changer le... En plus, j'ai l'inventaire plein. Chercher des torches. Wow, le spamming. Totalement abusé de torches. C'est sûr qu'il va être lumineux la place. Si c'est ça. Ah, un autre endroit où les générations, je les trouve bizarres. Même pas trouvé la salle du portail. Tu sais, genre, c'est un foutu labyrinthe. À pu finir. Puis avec ça, t'as 10 millions de mobs qui te courent après. C'est souvent des squelettes. Ça t'attaque à distance. Putain, il y en a gros à explorer. Oups. Trou ici. Et si on allait réveiller le...
Je vais pas laguer mon PC à force de mettre des torches dans tous les sens. Là, qu'il y a quelque chose en dessous. Ok, on va commencer par là. Je vais bien mémoriser l'endroit parce que vu la quantité de mobs qui peut me fumer, je peux bien garder le safety. Puis j'aurai pas des torches comme j'en ai maintenant en train de spammer. Ah bah, c'est tellement une vieille structure. Le problème, c'est qu'ils ont tellement modifié des structures dans le sol, selon l'endroit, que souvent, t'as des trucs que t'aimerais bien retrouver, mais c'est vieux, hein? Les forteresses du Nether, ça a de l'âge, là. Puis, tu tombes sur une condition où tu trouves jamais rien. Ouais, j'ai jamais vu un stronghold aussi grand. Ah, du blé! J'en ai pour des heures à explorer en survie. Puis vu comment je me suis fait chier avec la forteresse du Nether, ben, je trouve ça j'ai envie juste de skipper le coup du j'essaie de le trouver parce que j'en ai pour des heures. Hein. Pour des jours et des heures à essayer de le trouver. Même je suis pas le. Même je suis quand même plutôt rapide. Il y a des limites à perdre son temps. Bon, je crois que là, je suis convaincu. Bon, là, je sais qu'il est pas à côté. Ah, attends, j'en revois l'autre. Mais il y en a. Ça aussi, j'ai beaucoup de fois des allers-retours pour aller buter des Endermen pour ça. Bon, il m'en faut 10. Bon, c'était. Bon, c'est noté. Donc 10 Ender, bon, ça peut faire des allers-retours. À coup de 1000 blocs, seulement j'évite de faire des allers-retours, c'est 2000 blocs sur ton diagonale. Attends, je suis en train d'aller dans le mauvais sens. Bon, là, maintenant, je sais où c'est. Deuxième branche, il faudra que je transporte tout mon stock. J'aimerais bien avoir un mule. Là, faut que je m'équipe full diamant. Ici, parce que ça va ensemble. Je sais que j'ai un truc de Warden pas loin, donc
On va dire la calette de Melondo. Il n'y aura pas. Bon, ben, il me faudrait 50 émeraudes. Même juste dire ça, c'est déjà en train de me piquer le nez. Ça pique. Et déjà que les villageois sont trop stupides pour choisir les bonnes professions, ben. Prendre des seuils qui sert à rien. Hein, les farmers, bon, les farmers ça bouffe. Bon, le maçon, bon, il n'y en a pas. Il a même pas pris. Je suppose avoir un blacksmith pour avoir des. Pour avoir des outils. Pour acheter des outils. Ouais, il n'y en a pas. Mais il y a le libraire. Hein. Libraire, il vend sa bibliothèque 9 pieds, 9 émeraudes. Ah oui, non, je comprends pourquoi j'en ai plus. J'ai osé les acheter. J'en ai demandé de crafter des bibliothèques. Exactement, crafter des livres, c'est pour ça. Alors, 4 livres pour bibliothèque. Trois livres pour une bibliothèque, le bois, ça se corrige. Mais tu le vends ça 4 livres. Un ouvre-la-joie pour une émeraude. Pour 9 émeraudes pour une. C'est horrible. Franchement, il y aurait pu le vendre moins cher. Là, j'ai creusé dans le vide. D'accord. Bon, c'est un coffre qui a de l'espace dedans. Pour ça, clarifier ce truc. Ouais, c'est juste que moi je veux et faire les champs. Ensuite, crafter les feuilles. Et j'aimerais bien avoir un book style touch pour un défi puis un achievement que je réussis juste pas à faire, franchement. La quasiment toute prête. Bon ben je vais vendre des beetroot à tonne. Sauf une. Bon, faut faire de la bonne mille, puis que je vais les pousser correctement. 4. Sûr que vu la quantité de citrouilles en place, j'ai intérêt à en brasser. Je peux en vendre deux fois.
Oh, je trouve le villageois beetroot. Villageois betterave. D'habitude, c'est celui que je pogne jamais en premier. Voilà, ça progresse. J'ai déjà... déjà 20% de fait. Putain, j'ai mis un truc pour le blacksmith, puis il n'y a même pas de blacksmith. Pas d'armure aussi. Il met le Fletcher, hein, pas de problème. Sure. Le seul problème, c'est que je veux pas m'en débarrasser. Je me tiens trop pour m'en débarrasser. Pas mal les villageois en général. Moi, j'ai pas encore assez de lits. Pourtant, j'en ai des tonnes. De toute façon, je crois que j'ai déjà tout passé que j'aimerais te faire en réalité. Ça débarrasse. Ah, faut que je pêche du poisson, ça me tente vraiment pas. J'ai fait ça, je me suis emmerdé à le faire. Ah, puis j'ai plus de pioche. On va prendre deux pioches. Deux pioches en pierre. Ça va être bon. Bon, là, sérieusement, là où je m'en débarrasse pour prendre les haches. Ça, j'aurais pu me péter le... sauf si je tombe sur la bonne enchante. Fortune 3. Mieux d'enchanter des boucs à la place. Il faut vraiment que j'améliore cette armure. Hein. Cette armure-là, il est nul. Il est nul. Oh non, le dragon va me fumer. Ouais, c'est ça, je voulais faire du engrais pour les. Voilà. Le long, ça va prendre du temps à pousser. Ça n'a pas tombé à côté. Non. On signe. Je vais vendre le papier. Pas de l'émeraude à la place. Bon, de toute façon, je suis des vaches parce que
Pour le cuir, ben, prendre le papier, ça va être plus simple. Check s'il n'y a pas de supplément qui traîne. Assez surpris. Au moins, melon pousse. Troisième ordre de plus, ça coûte cher. Je crois que j'aime mieux les betteraves à vendre. Vendre aux farmeurs, ça va beaucoup plus vite. Même les graines de citrouille, j'en ai des surplus. Des patates, ça peut être bon aussi. On va toutes les faire. Bon, il y a autant de carottes. Peut-être d'en vendre. Ah, une pas bonne. Ceux-là, je peux les mettre dans le compost directement. Ouais, ça ferait une bonne récup si on peut le mettre dans le compost. Non.
dans l'eau, ça disparaît. Je fais pas de gâteau. Vraiment, je crois que la première école de melon d'eau, ça va être bien. Je sais pas combien de melons, des blocs de melons. C'est sûr que là, ça me tenterait d'avoir un style touch avec, avec les melons. J'ai besoin de les faire en bloc. Ah bon, il faudrait vendre les carottes. Passer. Compléter ça avec une citrouille. Je viens de débloquer le melon. 4 melons. Des betteraves dessus. Là, c'est des carottes. Carottes aussi. Il y a trop de carottes. Où est le blé? Qu'est-ce qui fait le blé? C'est patates. C'est carottes. Ça doit être les carottes aussi. C'est betterave. Le blé. J'en ai plus. Oh, le lui, j'ai débloqué à fond. Ah non, j'ai presque tout débloqué dessus. Il reste juste une qui est. Je peux même acheter des gâteaux. Acheter un gâteau. Le cas, ça va pas plus vite. Puis là, c'est un melon scintillant. Franchement. Fait la même chose. Même chose. C'est juste le premier qui change. Le reste, c'est la même chose. Et ça roule. Vraiment, les citrouilles puis les melons, ça roule. Que 41, je peux faire directement. Je les crafte 4 longs. Lui il est pas encore bon, c'est melon. Ouais, déjà que c'est la nuit, donc tous les villageois vont se coucher. Hein, toi? Même à coup de 4, ça va être bon. Donc c'est pas évident les melons. Bon. Je veux voir si ça change quelque chose. Si...
Ça, l'outil, peu importe la matériel de l'outil, ça change pas, ça change rien. Épée. C'est pas vraiment méchant, mais si je trouve. Ah non, il a pas mis les bonnes enchantes dessus. Avec le tour des carottes. Je crois que j'ai pas mal fait toutes les champs. Il faudrait que j'attende un peu avant que ça se refasse. Pas dommage, c'est ça que ça rapporte le plus. Même si c'est trop, ça le fait. Bon, il pleut. Bon, j'ai dépensé 50%. Mais je suis pas sorti. Pas du tout sorti. Mille. Pourquoi il n'y a pas de butcher? Avec la quantité de bouffe, de viande qui traîne. J'aurais pas non pour buter une coupe de squelette. Genre... de j'ai largué. Bonne mille. Bon, on donne un coup de pouce. Eric, ça pousse pas fort fort. Ah, j'ai plus mes beetroot. Betterave. Bon, ben, je crois que je suis obligé de me racheter du pain avec de la joie. J'ai déjà rendu sur mon dernier steak. Je vais prendre des pommes. Peut-être que je vais me prendre des pommes. Et tout ça, 3 bonnes mille. Progresse. Bon, c'est de la passion. Ça. Ah, j'ai pas un... pour les melons.
On est pas obligé de recrafter mollo à chaque fois. Sauf s'il y a un outil capable de les péter sans que ça les pète en morceaux. Bon, je suis sûr que j'en ai vu. Bon, j'ai tout ça de viande de bœuf. La viande de mouton. Bien. Cette flèche, j'espère que j'aurai un truc infini. Un truc qui pas le nom de l'enchant en français pour ça. Vous avez une idée? Je sais même plus comment il s'appelle. Hein. Ça il donne quoi? Ah, c'est la smithing table, ça. Je l'ai pas pris. J'ai même donné ça. Plusieurs mes autres arcs, les seuls qui sont usés. Là, je les usais un peu. Bon, on ramasse du melon. Toute façon, je peux pas éviter la pluie. Pourquoi ils vendraient juste pas une vingtaine de melons en slicé et non en bloc? J'ai pas assez. Pour en faire 4. Ah, j'aimerais bien reprendre la grosse viande, hein, que je... Oh. C'est ça que je vais faire, j'ai même pas goût de la prendre. Je vais checker s'il n'y a pas un boucher qui est apparu. J'attends pour trouver un boucher, il y en a un sur un autre village. Et ici, j'ai mis le truc du boucher, mais rien de spécial. Même j'ai même mis un truc pour celui pour vendre la laine. Pas là non plus. J'ai pas assez de lien encore. Il n'y a pas encore assez de... Je suis déçu. Ça, lui, il y a quelque chose d'intéressant. Un autre. Ah, mais là, c'est rendu 4 pour un slime ball, puis après ça, 5 pour un puffer fish dans un seau. C'est que moi les carottes, pas indésirable. Enfin, ici il y a des patates et ici c'est une carotte. Le cochon va me coller comme ça se peut pas. Je suis là pour faire de l'entretien.
Bon, ça fait un moment qu'on est allé se coucher. On a récupéré les citrouilles. Y compris, j'ai mis des torches tellement partout qu'il n'y a pas un seul mob qui va spawn ici. En fait, j'ai peur c'est qu'il spawn ici parce que c'est une zone pour les récupérations. Bon, je crois que c'est pas possible dans les mécaniques du jeu de le faire parce que c'est passé. Passer se passer qui spawn tous les araignées. Oh mon dieu, je vais à travers le mur. Bon. Je vais prendre mon blé. Bon, les carottes. La table, un peu plus. Patate. Un autre émeraude de plus. Un peu. Je vais donner celui qui n'ont pas encore plus de progression comme ça. Pour moi, attaquer le melon, pour ce villageois-là. S'attaquer melon. Non, c'est à peu près équivalent. Citrouille melon, c'est à peu près équivalent. Ouais, ça financer des underpearls. Non, je crois que ce serait plus facile d'aller dans le désert pour aller chercher les underman. Ah, on est rendu à 60% de fait. 62% de fait pour acheter tout chez l'autre. Bon, ben, je crois que j'ai plus de choix. Faut que je pêche. Je fasse du fishing. J'ai pas encore trouvé le moyen de le faire cuire. Donc, difficile. Encore des melons en plus. On va trouver un comme celui-là. Bon, on va aller fishing. Une canne à pêche avec réparation, je peux dire que... T'aimerais leur poigner dans un livre. Et le moment le plus chiant. Voilà, c'est inévitable. Je vais même pas me rendre au Stronghold. Peut-être ça sera sur la prochaine. Ouais.
Voilà, ben, plus facile de faire du poisson quand t'as pas toutes les interfaces 2D qui bloquent la visibilité. Tellement pratique. Bon, une autre shell. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. On est rendu à combien de poissons celui-là? 9 sur 15. On va essayer d'en pêcher beaucoup plus. Je suis en train de réparer ma canne à pêche à force de l'utiliser. Ah, le saumon, ça compte pas. Toujours le garder à côté. Hein. Dix sur 15. On reste un tiers. Sérieux, vraiment, c'est un os. Je pèse des os dans l'eau. Oh, un enchanting book. C'est pas qu'intéressant, mais je crois que ça c'est seulement pour l'arbalète. C'est quoi cela? C'est. Je sais que c'est vrai que j'ai un peu tué des zombies. Hein. Ça, mais celui-là aussi, c'est très long. Donc, pas intéressant. De le vendre qu'une fois. Un tripwire. Yes, on va le vendre. On va le vendre. Oh, ça va être long. Ou melon et citrouille. Citrouille, il y en a beaucoup. Melon, un peu moins. C'est vrai, j'ai appelé cook. Poisson. Ça me ferait de la bouffe. Problème, c'est que ça coûte une émeraude. Plus c'est d'en gagner, pas d'en perdre. Je gage entre les deux.
retourner après. Avant ça, bon, je vais faire du coquette. Puis si je fais du poisson, je vends le poisson tel quel. Ah, il pourrait pas nous montrer l'enchante. Sérieux, il montre même pas l'enchante. Je sais pas si ça se pêche du poisson à l'arc. Du dronette, ça marche. Bon, on va essayer le poisson. Ah ben le poisson ça marche. Ça montre à quel point qu'il n'y a pas de physique. Peut-être finir. Ah, ben oui, c'est vrai, j'ai pogné un os. Donc. Ensuite, bas de mille un peu le. Difficile. Il y a de la difficulté. Il y a de la difficulté. Alors, faut encore que j'aille pêcher un peu. Vraiment, la mécanique de pêche est peut-être un peu trop puissante. Quand tu peux tomber sur une canne à pêche full enchante, avec un petit malus à travers, même ça, c'est terrible. Tu pognes une réparation sur la comme enchante. C'est fini après. Je vais essayer d'en mettre 30. Encaisser 30 poissons normaux. Qu'est-ce que... Un autre arc! Oh. Le but c'est de m'en débarrasser des arcs, pas d'en rajouter. Ah, un bottle of enchanting. Parfait. Un autre de plus. Pas de d'enchantement particulier. Comme weakness. Pour les zombies. Thank you.
compris que les pufferfish, franchement, j'en ai plus de pufferfish. Ouais, on va essayer de se taper 30 poissons pour, pour le pêcheur. Qui change de level que je puisse passer à. J'ai que du poisson à tirer à l'arc. Termination. Mais bon, le saumon est tellement facile à buter. C'est plus vite que la canne à pêche. Petit coup d'arc à chaque fois, ben fini. En plus, ça me donne même de l'engrais. On va l'appliquer tout de suite. Bon, ben, je crois que toutes les tout est cultivable maintenant. Tout est prêt, full mature pour être cultivé. Parfait, je vais vendre ça 31. Pas assez pour faire 3. Ouais, c'est juste qu'il y en a-tu qui sont encore low level. Encore. Non. Oui. Ça va être beau quand je vais passer le. Il y a encore du saumon qui a spawné dans l'eau. C'est un coup d'arc. Pour ramasser du poisson, pas à peu près. Ouais, il y en a encore. Je pêche là, puis. Je reste à l'arc. Disparu. Pense pas ce que j'aime pêcher du saumon. La pêche à l'arc. Ça, c'est une flèche dans l'eau, ça tue le poisson. Ah, il y en a encore d'autres qui ont spawn.
Bon, ben, ça a l'air que je vais pas atteindre 30 poissons cette fois. Tu es déjà en train de se coucher, puis je viens d'arriver à 30. Ouais, je chasse un peu de saumon à l'arc. Je vais me faire que du poisson un peu. Avec 26 poissons, saumon. De toute façon, ça me prend tout pour passer les flèches. Si j'envoie une bonne mille comme ça, y a rien, dommage. Là, ça aurait fait pousser un melon. On va aller fertiliser un peu mes plantes en haut. Ça, j'ai fait un champ personnel parce que je veux pas que les villageois aillent piquer ma bouffe. Non, j'ai besoin d'un boost carotte. Ça va bien rouler. 9, c'est un bon record, ça. Il faut bien que je repêche encore 30 autres poissons. Venez. Je vais attendre que ça ait poussé. Citrouille 3. Pas de chance pour les citrouilles. Oh, ben, je vais bouffer du poisson. Je bouffe quel poisson? Sûrement les clowns. Parce que. Les clowns. N'apporte rien en bouffe. Un autre tripwire. Pas comme ça, c'est useless à fond. Il y en a encore un dans... Le saumon, c'est bon. Pas du saumon. Bon, je vais être plus astiqué sur le saumon que...
Ils sont en panique, les sommes. J'ai littéralement en train de les chasser. Ils ont plus si pognables que ça, les poissons. Oh, c'était du saumon. Ah, ben, j'ai plus de. Bon, tant mieux que j'ai plus de d'arc. Ah ouais, c'est parce que j'en ai un autre. On passe à d'autres choses parce que la chasse aux poissons. La chasse aux poissons, c'est quelque chose. Sérieusement, il reste beaucoup de temps, donc j'aimerais bien finir les poissons. C'est mi-chemin. Moi, ça avance bien. Voilà, donne-moi le maximum de poissons. On connaisse les pêches miraculeux, ben ils ont enchanté leur canne à pêche avec la coupe de scie. Voilà. Même pas suffisant. Ah oh ben, je vais encore pêcher du poisson. Ouais, pour 6 poissons de plus. Un fort. En fait, je dois perdre une émeraude, je veux juste qu'ils finissent le level. Parce que je sais que je pourrais vendre plus de poissons après. Place. Un autre uniforme. Je suis même pas dans un marais puis je pêche des nénuphars. Ouais, y a deux nénuphars qui traînent parce que c'est sûr que je le jette.
J'en ai rien à foutre de garder ça des forts. Bon, peut-être pour le compost. Ah, une autre canne à pêche. Bon, ouais, c'est celui-là. En plus, je crois que j'en ai une deuxième. Pareil. De toute façon, j'ai fini poisson. Soin ça. Oh non. Laisse-moi prendre le poisson. Non, ça me rapporte rien. Oh, ça, c'est traître. Bon, ben, je peux faire mieux rien faire. Cultiver un. Payant du melon d'eau quand même. C'est bien fait. Faut juste que je cultive mes pour faire du pain. J'ai plein de pommes, mais ça ne servira pas. Bon, 8 émeraudes de plus. M'approche. Je pourrais vendre. Ah, c'est vrai, je voulais cultiver le pain. Et là, j'ai faim. Donc, si je peux te taper par. À crever. Du pain. Et du pain, 4 pains. Un peu ça s'est repoussé. Bon, on va vendre les citrouilles. En plus, là, parce que je me tape un autre 15 poissons.
Et que ça soit pas du saumon. Pour une fois. Il n'y a pas un vrai poisson qui va mordre dessus. C'est un petit truc d'eau, tout le temps. C'est un petit giclage d'eau. Là, c'est le focus. Va faire qu'elle empêche trop vite. On est sérieux. Il est sérieux. Bon, pis, je vais me faire une enclume puis je vais les mettre ensemble. Ah, c'est pas une enclume, ça coûte très cher à fabriquer. Trois blocs de fer. 31. 31 de fer pour faire une enclume. Taper. Douze. Bon, je veux dire que les puffer fish, je vais les collectionner. Il en reste un à ramasser. Et c'est bon. Là, c'est bon. Je peux aller me chercher. Y a rien de poisson. Parfait. Ah, des poissons. Moi, je m'en fous. Pourquoi pas des puffer fish? Rien qu'au level 4. Il faut des puffer fish de certains temps. Puffer fish! C'est pas, c'est le dernier. 11 émeraudes pour une canne à pêche. Sérieux. Tu n'achèteras plus rien, tu le vends ben trop cher. T'as juste tout poussé à 100%. Ça pousse vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. J'ai un nombre impair. Deux. Trois, quatre, cinq, six, sept, dix, treize, quatorze, quinze, sixteen, seventeen. Normalement, je devrais être correct. Vingt, vingt-deux. Ah, peut-être qu'il y a une différence. Quatre-vingt-quatre. Il est divisible par trois.
Et c'est encore du papier que je vais vendre au du papier ailleurs. Et là, je crois que je vais être bon. Oh, ben je vais m'acheter une canne à pêche que j'ai aucune idée c'est quoi ils enchantent dessus. Mais vu la quantité de canne à pêche que j'ai pas besoin d'avoir plus. Et le budget est complété. Ça, c'est tapé chez le Fisherman. Ok, tu dois autre chose de particulier. Sérieusement, si j'avais plus de plantations de Vérine Nether, peut-être que ça pourrait être une bonne offre. Les bottles of enchanting qui peuvent être intéressants, le problème c'est que ça coûte cher. Le bottle donc. Juste une bouteille d'XP, ça vaut pas grand-chose. Oh. Comme de... Bon, les yeux, c'est prêt. Le problème, c'est le stuff. J'ai 7 diamants, puis j'ai seulement un pantalon, puis un casque. Donc, le stuff, c'est pas vraiment génial. En fait, il m'en manquerait pour 11. 11, 12, 12. Voilà, 12, 12 diamants pour compléter. Je complète ça avec des armures en or. En fait, je peux me faire une plume. Attends, ça dit... Non. Non! J'ai dépensé... Toutes mes... J'ai dépensé tout mon argent pour des enderpearls, puis je m'ai rendu compte qu'il y en a 7 dans mon inventaire. Sorti. Quel gaspillage. Hein, il vendait pas des fils? Oh non, c'est les... c'est le Fletcher, ça. Bon, je vais aller ramasser les melons. De toute façon, je dois tout me renouveler parce qu'il fallait que j'ai acheté pour rien. Bon, j'achèterai plus des enderpearls, j'en ai plus besoin. Faire comme l'autre de démystifier Satan qui pète tout dans tes mains. Bon, je vais aller juste finir le rince, on va juste cultiver la joie. Je finis pour aller chercher des diamants dans. Faudrait que j'aille un. Voyons, c'est quel. Un armurier, ça prend un blast furnace.
Tu sais, j'ai le truc pour faire des blast furnace. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un foutu villageois qui le prend. Oh. Bon. Sauf si je recrute à coup de zombie. En fait, j'ai tout ce qu'il faut pour faire du weakness. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Spawn un œuf dans mon entrée. Bon, est-ce que j'arrive genre sur un nombre qui est pas parfait? Enfin, j'ai passé pour que ça rende carré. Non, il y a encore des villageois un peu mous. Je les ai toutes faites. Je les ai toutes upgrade au melon. Yes, des carottes dorées. Yes. Malgré ça, me sert à rien. Bah, même pour faire de la bouffe, c'est cuit. Il y a un melon qui est très... Ça aurait gêné quelque chose. Oh mon dieu, j'avais beaucoup plus de melon que je le pensais. Et oh, j'en ai pas... C'est vraiment décevant. Ah, il y en a plus que je le pensais. Ça c'est en train de spawner devant moi en plus. Ah, c'était citrouille qui était le truc. Bon, le fait que j'ai pas fait des blocs de melon. Ah ouais, j'avais fait des blocs de mort. On dit que ça arrivait pas. On va remettre les là, les os là, les tripwire là, les. Toutes les cannes à pêche. Comment horrible. Bon, je vais dire celui qui va me vendre des melons d'eau, je vais faire le tas. Faudrait que je reset un peu. Un succès, hein? Avoir un maximum de la joie. Bon, je vais plutôt aller progresser tranquille. Là. Bon, ça finit cette pluie-là, donc. Je peux vous dire, le live pour moi est fini. Donc, d'autres détails. Dommage, j'ai fini sur une pluie. À quel point qu'une pluie sur Minecraft, c'est chiant à l'oreille. Donc, quel détail je pourrais dire? Bah, prochaine vidéo, je crois que je vais m'attaquer plutôt sur. Ah. J'avais en tête.
J'avais quelque chose en tête. Il fallait que je le perde directement quand j'essaie de l'expliquer. Donc, une vidéo pareille qui est prévue. J'essaie de les faire. J'essaie de les prédire. Finalement, je change d'avis à dernière seconde. Donc, ouais, ça est pas mal ça. Donc, bien évidemment, ce live sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude, pour si vous voulez le voir au complet. Puis me voir me planter littéralement avec des émeraudes que j'ai dépassées. 50 émeraudes pour dizaines d'or perles, donc je n'avais dans mon. J'aurais pu en sauver 35. Émeraude, ben non, j'ai. On va dire que j'ai fait le stupide, puis j'ai décidé de prendre plus que je devrais. Donc, pas mal tout, donc je peux dire bye tout le monde et un prochain live, même heure, même journée, même heure. Bye tout le monde. Bah là je peux dire que ce screen que j'ai fait à la fin vaut beaucoup plus la peine parce que je l'ai pris sur le même jeu. Juste la petite anecdote avec le screen du fin de live. Je vous dis bye tout le monde, à la prochaine.